Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode sur Pokémon, ça faisait longtemps. Et je voulais vous montrer un truc qui m'a choqué de ouf. Vous voyez ce gars, je crois que c'est lui, ou bien c'est lui, ou bien c'est lui. Mais je pense plus que c'est lui. Lui en fait il m'a complètement choqué. J'ai utilisé le Cherche VS et comme vous le savez quand vous utilisez le Cherche VS, les Pokémon sont légèrement plus forts, légèrement. Hein, et lui en fait il est complètement what the fuck. Pourquoi? Parce qu'il a un fucking rap attaque complètement cheaté. On va voir ça maintenant. Enfin, j'espère que c'est lui en tout cas. Donc petit gamin, gamin Joe, vas-y montre-moi. Voilà, rat attaque niveau 80 les gars, niveau 80 bordel. Son rat attaque est niveau 80. Normal. What the fuck. Et la dernière fois il m'a niqué tous mes Pokémon. J'étais en train de les entraîner avec le Cherche VS pour bah comme ça en fait, je voulais me rapprocher un peu plus du niveau 100. Et ce type m'a complètement niqué tous mes Pokémon avec juste son rat attaque. Donc voilà, hop, Damoclès. Voilà, il m'a niqué mon Florizarre. What the fuck. Je vais utiliser... Vas-y, on va utiliser Hyperroi. La carte chance. Merde. Putain, en plus de ça, il attaque en premier à chaque fois. Regarde, il m'a retiré la moitié de ma vie. Avec juste croque-mort, c'était ça, hein, l'attaque. Putain. Ouais, non, là, c'est mort. Ok, il m'a niqué. Non, là, je vais envoyer Dracaufeu. Sinon, c'est mort. Et encore, faut voir si Dracaufeu survit. Du coup, lance-flamme direct. Oh, putain. Ah non, ça va. Wouhou! Et pour son niveau, il donne de la merde en XP. Ah, 2000 points d'expérience. J'affronte un Nidoking qui est 20 niveaux de moins. Il me donne plus de points d'expérience. Ouais, les gars. Bah voilà, ça c'était juste la petite anecdote du rat attaque cheaté. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un épisode sur Pokémon. Ça faisait un petit moment. Et en fait, on va aller faire les îles. Donc, on va commencer par l'île 1. L'île 1 plutôt. Hop. On va vite aller soigner d'abord parce que comme ça, ça... Oh. Si je parle à côté de la femme, ça va pas le faire. Donc ouais, vas-y, soigne mes Pokémon, merci, au revoir. Donc voilà, donc maintenant, normalement, la suite, c'est qu'il faut parler à ce gars. Je cherchais déjà cette pierre pendant mes études, résultat, j'ai ni mon diplôme ni la pierre, je sais que je peux compter sur Léo pour faire avancer mes recherches, pardon. Mais cette fois, je voudrais réussir tout seul. Ouais, tu veux réussir tout seul, mais tu m'aides. Enfin, tu me demandes de l'aide. Donc du coup, faut aller sur l'île 1... Et je sais pas du tout où est-ce qu'il faut y aller, je pense qu'il faut y aller un peu plus loin. Et en fait il faut chercher la pierre Ruby et la pierre Saphir pour lui ramener pour sa machine en fait. Et avec ça on ira jusqu'à l'île 7, grosso modo. Oh là là, je fais que me faire agresser, bordel. Putain. Ponyta, casse-toi, bordel, c'est pas tranquille. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Non, il y a moyen de passer par là, faut encore contourner l'herbe. Allez, oh c'est bon. Oh, t'es qui toi? Utiliser surf tout le temps, tu ferais bien de nager. Oh, tu me laisses tranquille, je fais ce que je veux, hein. Hop, on traverse. Attends, ici c'est quoi? Source braise. Est-ce que c'est ici que je dois y aller? On va visiter ça un petit peu. Bonjour. Regarde-moi bien. Tu vois comme ma peau est belle et lisse. C'est grâce à l'eau de source si j'ai l'air plus jeune que mon âge. Oup, oup, assassin de la police. Oup, oup. Avec ça, tu peux briser la roche comme si c'était du verre. Ok. D'accord, non. Je crois pas que c'est ici, je vais quand même parler à tout le monde. Ouais, ok, on est sur... Les gars, on s'appelle Jésus, on marche sur l'eau. Je cherche les tessons jaunes qui me droit à peaufiner mes capacités. D'après les rumeurs, il me faut courir plus vite et font garder la forme. Mon tessons jaunes, j'apprendrai à tes Pokémon à combattre avec une puissance qu'ils n'ont jamais connue. D'accord. Donc je préfère bien juste après, rien de mieux qu'un bon bol de soupe pour ce que je fais de l'intérieur. Ok. Ah oui, c'est vrai, ça soigne au milieu. Ok, ouais.
Ah, c'est trop bon, je suis complètement détendu. Saute dedans, tu verras comme ça fait du bien. Vomis-le, relaxe-toi, tu m'en diras des nouvelles. Ouais, c'est ce que je viens de faire, papy. C'est ce que je viens de faire. Du coup, c'était pas ici, je vais voir plus haut dans l'autre montagne. Normalement, ça doit pas être si loin que ça. Ok, le bug. Là, ça a toujours pas été fixé par contre. Mais bon, c'est pas grave, on aime bien Pokémon quand même. Ah voilà, c'est ici. Ouf. Une bonne chose de faite, à nous les trésors maintenant. On ramène tous les trésors, qu'on trouve à l'entrepôt, bien compris. Oh, et pour les mots de passe, ceux de l'entrepôt. Quand tu as oublié les deux mots de passe, imbécile, le premier c'est ici Girafarig, ici. Et le deuxième, quelqu'un nous écoute. Ah bah oui, normal. Yo les gars! Tu le trésor, hein, ne compte pas là-dessus. Oh, c'est pas une affaire personnelle, mais bon. Mais bon. Allez, montre-moi qu'est-ce que t'as dans le ventre, toi. Ok, t'as un Rattata niveau 35. On revient à Rattata niveau 80, c'est pas ton petit truc qui va nous faire peur. LOL! Allez, tranche herbe. Barre-toi, bordel. Merci, au revoir. Le Rattata niveau 35 toujours. Bof. Ah, tranche herbe, c'est pas. Ça l'a pas one shot. Ok, bon bah encore une tranche herbe. Pas quoi. Oh, da fuck, t'es sérieux, mec? Non. On va utiliser le giga sensu pour récupérer. On n'a pas beaucoup récupéré, mais bon, c'est déjà ça. Et 1000 points d'expérience tout rond. Nice. Ok, le sablaireau, on va tout lui prendre, lui. Hop. Merci, mec. J'avais besoin de quelques PV en fait, à cause du rat-attaque. Eh, les rat-attaques, franchement, ils sont cheatés, hein. Ok, le sablette. Et toi aussi, on va tout te bouffer. Voilà, c'est fait. Donc, l'énergie de sablette est drainée, d'accord. 802 points d'expérience. J'ai battu le team, enfin le sbire de la Team Rocket. J'ai quand même 120 points d'expérience, 1120 Pokédollars. Putain, je suis en train de marcher mes mots. Je vais développer une amnésie sélective et oublier ce combat. What the fuck. Allez, à toi maintenant. Tu étais en train de nous espionner, hein? Non! 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 Alors. Ok, Osler. Nova Florizarre, Bim Bim, Giga Sensu. Voilà, ça c'est fait. Merci, au revoir monsieur. Alors, 791 points d'expérience. Oh, ça tueur! Bim bim, c'est bon, on a récupéré tous nos PV, pas besoin d'aller au centre Pokémon ou d'utiliser une potion. C'est pratique, Giga Sensu. Ça, j'aime bien. Hein? Quoi? Et je gagne 1184 Poké Dollars. Je comprends pas comment t'as fait pour me battre. Quel déculotté, on doit se replier. Toi, n'essaie même pas d'entrer là-dedans. Si tu tiens à ta peau, je te conseille de rester dehors. Va niquer ta race! Voilà la réponse qu'il faut leur donner. Bon, maintenant on a une fucking grotte à explorer. Et on a des Pokémon qui nous agressent. Hop, fuite. Voilà. Ah, il y a des Limagma ici. Oh, il est mignon. Il est mignon et moche. C'est mignon de dire il est mignon et moche. Moi, moche et méchant, avec les mignons. Le racaillou, on s'en bat les steaks. Merci, au revoir racaillou. Putain, mais c'est pas sérieux. Je vais utiliser une super repousse. Parce que là, c'est trop. Je crois qu'il m'en reste normalement. Hop. Pas de dresseur, sac. Max repousse, super repousse, ouais, voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, on ne sera plus dérangé. Oh putain, il faut utiliser force. Non! Bon, je reviens alors. Allez, maintenant que la super repousse est active,
Je crains plus personne. Oui, je vais utiliser. Allez, cassez-vous les gars. Laissez-moi passer, je suis au devant. Et personne ne viendra m'agresser dans l'eau, ni dans les herbes, ni dans les grottes, ni... J'allais dire une connerie. Faut que j'évite de dire des conneries comme ça. Hop. Allez, on remonte. Oh, il a un kikli, lui. Il a un joli petit kikli. Voilà, on est de retour. Encore 76 pas. Je sais pas pourquoi je dis en français 76, je dis pas 76. Voilà, alors ici, comment est-ce qu'on va faire? Ok, ouais, je vois comment. Donc, on pousse celui-là de 2, voilà. Celui-là, on va le pousser comme ça. On pousse celui-là par là. Et on descend. Et on revient comme ça, voilà. Ça, c'est fait. Celui-là, on va le pousser. Ah oui, c'est vrai, le Rhinocan, je l'appelais Poubelleman. Voilà, c'est son surnom en guise de CS. RTC, t'es triste. Bordel de merde. Attends, est-ce qu'il faut passer par là? Non, je pense pas qu'il faut passer par là. À mon avis, il faut passer par ici, comme ça, d'accord. À moins que... Ah non, 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 c'est bon. Hop, donc on pousse celui-là comme ça, on pousse celui-là comme ça, on descend. Et on prend l'échelle pour monter. On prend cette échelle-là. Et hop! Est-ce que c'est le bon chemin? Attends, avant de sortir, on va faire le tour de la grotte. Voilà, on peut encore descendre ici. Ok, ok. En fait, non, putain, on était reparti au point de départ. Bon, maintenant, à mon avis, ça doit être par là. Ok, ouais, je vois, il y a des petits escaliers par là. Hop. C'est bon. Oh. What is that? Je m'en souviens même plus. D'accord, ah oui, d'accord, les caractères sortent carrément de l'écran. Nice. Ouais, tu m'expliques? Je peux sortir de là? What the fuck? Please! Ok, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ah, ici. On a trouvé le rubis. Est-ce que je clique? Ok, y a rien qui se passe. Du coup, on va utiliser une corde de sortie. Hop. La petite corde. L'eurocarnage qui va faire vol pour aller au centre Pokémon. Et on va aller lui donner le rubis. Tiens, mon pote. Oh, mais c'est... Et il donne le rubis. Merci, Jamira. Je ne sais pas comment te remercier. Est-ce que je peux te demander encore une grosse faveur? Quand j'étudie les pierres précieuses, j'ai découvert que quelque chose d'important. Il y a une autre pierre qui va de pair avec ce rubis. Cette pierre devrait se trouver sur les îles Séville. Jamira, pourrais-tu chercher cette pierre pour moi? Tiens, montre-moi ton passe et la carte. Jamira rend le tripasse et reçoit le passe prime. Ok, désolé, j'ai eu quelqu'un qui rentre à la maison, voilà. Et reçoit une page supplémentaire pour la carte. Ok, c'est bon, maintenant on a le passe pour aller sur les 7 îles, je pense. Mon passe personnel pour ce ferry. Avec ça, tu peux aller sur les îles, c'est bien. Amira, j'ai vraiment besoin de ton aide. Ok. Ok, on y va, poteau. Allez. Hop. Alors, Bandour, je veux monter à bord. Ok, on va aller sur l'île 4 directement. Ah bah. Ah, y'a Régis. Est-ce qu'on va... Un combat contre lui. Hey, Zolamirien. Qu'est-ce que tu fais aux îles Séville? Tu devrais arrêter de me suivre. Tu crois pas? De toute façon, je peux rien à faire ici depuis que j'ai reçu mon œuf Pokémon. Je suis sûr que tu sais rien sur ces œufs. C'est pas comme ça que tu vas remplir ton Pokédex national. Au fait, j'ai ramené une vieille connaissance avec moi. Va chercher un peu si tu veux savoir qui c'est. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Allez, ciao. Oh, tu te sens baisé? Ah ouais, tu te sens baisé que je t'ai battu. Allez, pleure pas, mec. Du coup, je regarde un petit peu comme ça, par-ci, par-là. Y'a quoi par ici? Ah, oh, je visite à mon aise, hein, les gars.
Visite à mon aide, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hop, d'accord. Antidote, bof. Ici, on a directement la potion Pokémon pour faire des petits œufs. Ça, c'est très intéressant, c'est très cool. Non, par contre, là maintenant, je vais garder mes super potions, ça sert à, mes super repousses, ça sert à rien. Ici, il n'y a rien d'intéressant. On va passer au magasin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Dans cette maison. Bonjour. Il y a des tas de stickers, j'ai trop envie de les montrer à tout le monde. Ok. Maintenant, on passe ici. Ok. Salut petite. Ouais, tu m'as trouvé, mais me dis pas, Olga, tu savais qu'elle a une collection de poupées, sa collection grandit à chaque fois qu'elle revient sur une carte. D'accord. Salut mémé. Olga est de retour, elle a dû trouver la vie en ville trop stressante. D'accord, je vais passer ici vite fait. Oh, les deux obèses, allez. Salut. Prêt, go, on va faire un concours de plaquage. Essayer de te faire écraser comme un insecte si j'apprenais plus la capacité de tes Pokémon. Non, non, non. Ok. Ok, faites vos choses ensemble, ne mêlez pas vos histoires s'il vous plaît. Merci bien. Du coup, on va passer par là. Il y a rien d'intéressant sur cette île? Hop, on a trouvé l'antidote. Traverse. Bonjour. Oh, c'est frais, je me suis fait un cornet avec ce que j'ai ramassé dans la grotte de glace. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est une grotte de glace. Ok. Ouais, c'est parti. Ah, ici, on peut utiliser cascade, mais j'ai pas pris cascade avec. Je crois que j'ai même pas cascade en fait. Hop. Ah, ouais, d'accord. Là, faut la jouer malin. Oh putain, le sacrifice que je dois faire. Écoutez, on va revenir chercher le truc plus tard. D'accord, ok, là maintenant c'est vraiment une chance sur deux, donc. Je vais tenter ici. Non, c'est de l'autre côté. À moins que. Ah, on se retrouve juste. Ouais, enfin bon, je suis trompé quand même. Otaria. Les gars, je sais pas si vous savez, Otaria et Lamantine, quand ils sont shiny, je sais pas si c'est moi qui bug ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont la même couleur. Ils restent blancs. Blanc, c'est tout, blanc. Hop, voilà, c'est bon. On passe par là. On va prendre celui-là. D'accord, ok, c'est pour descendre par ici. Comment est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se retrouve. Ok, je pense savoir. Ok, y a quand même quelques bugs, hein. Non, merde. Ok, la Grécione. J'ai envie d'aller récupérer l'objet en fait. Hop. Ça sert à rien. Ah, peut-être que comme ça on a quelque chose. Non. Non, on n'aura rien du tout. Okay, on va au moins aller récupérer cet objet ici. Voilà, on a trouvé une guérison. Ici on a encore un objet. Ah, la CS7. Nice. On a cascade maintenant. Ouais, ok. Du coup, on a cascade. Putain, va falloir que je retourne au centre Pokémon chercher cascade. Enfin, un Pokémon eau. Parce que j'ai pas envie de la prendre à Hyperoi. Non, il n'y a aucun autre des Pokémon qui peut l'avoir. Donc, du coup, je fais une petite ellipse le temps de chercher un Pokémon eau et je vous reprends tout de suite. Ok, j'ai repris un Léviator. Et je l'ai changé à la place d'Ectoplasma pour lui apprendre Cascade.
Ça va, enfin, j'allais au début prendre Loclass, j'ai trouvé que Loclass dans ma boîte, il y avait Poissirène et tout, mais je pense pas que Poissirène peut pas prendre le truc. Je trouve ça trop cruel, et donc du coup. Ouais, tu me laisses monter à la cascade, ouais? Ouais, donc du coup, j'ai pris le Léviator, je l'ai trouvé dans la boîte pour finir. Donc voilà, on monte la cascade, oui! Alors. Otaria. Est-ce que les Pokémon sur PokéMMO, est-ce qu'ils ont l'animation quand ils sont shiny ou pas? Enfin, plutôt quand ils sont shiny, il n'y a pas de ou pas ou de pas ou. Là, putain, là, plus jamais je parle comme ça. Donc, ne posez pas vos mains sur les Pokémon de cette grotte. Faites ce que je dis, vous allez avoir affaire avec moi. Je crois, laisse-nous tranquille, occupe-toi de tes affaires. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, Olga, c'est celle qu'on a battue à la Ligue Pokémon. Putain, on en a rencontré deux alors. Qu'est-ce que tu fais là? Non, on verra plus tard, j'ai besoin de toi maintenant. Aide-moi à me débarrasser de ces voleurs. Ils attrapent les Pokémon et les revendent après. Ah, bah c'est ce qu'on fait nous aussi, c'est pas grave. Alors, Signa, tu prends celui-là. Ya. Ok. Allez, c'est parti, go! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, Nosferapti. Ça commence corsé avec un petit Nosferapti. C'est chaud. Non, en fait, non. Non, c'est pas chaud du tout. C'est easy. 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 Ah, Nosferatu, c'est un peu plus corsé maintenant, en fait. Ok, Damoclès, bim bim. Aïe, Tranchère, ça fait mal, par contre. Ça va, il résiste. Encore un petit Damoclès. Bim, j'espère qu'il y aura un autre Pokémon autre qu'un Pokémon Vol, comme ça je peux pas Giga Sensu dessus. Ok, non, même pas. Même pas, même pas. Ok, c'est bon, je t'ai battu. Merci, au revoir. Espèce de misérable, toi dis-moi où emporter les Pokémon capturés. Dites-moi tout ou bien jamais je ne dirai rien. Si vous parlez pas, nous allons vous congeler. Mon Loclass est furieux, pardon, de ce que vous avez fait. Go Loclass, Laser Glace. Ok, je vais parler. Les Pokémon sont dans l'entrepôt Rocket sur l'île 5. Voilà, je l'ai dit, maintenant laissez-nous. Mais je suis sûr que vous n'arriverez jamais à l'entrepôt. Hé. Ah, il se barre comme ça, tranquille. Merci beaucoup, c'est vraiment affreux. Je suis né, j'ai grandi sur ces îles, je me doutais pas que ces bandits étaient ici. Bon, on s'en fout, il y a quoi par là? Donc du coup, faudra y aller sur l'île 5. Bon, on ira au prochain épisode, je regarde vite fait, ok, ici y a rien. Ça pour cet épisode, les gars. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Ça faisait, pour ma part, assez longtemps que j'avais pas tourné d'épisode dessus. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Donc là maintenant, on a trouvé le rubis et on s'est emporté avec un problème via la Team Rocket qu'ils ont volé des Pokémon eau et glace à mon avis dans la grotte. On a rencontré Olga, la première qui était dans la Ligue Pokémon. On a rencontré aussi le rival. J'ai complètement oublié comment j'appelle. Ah oui, Deflagra. Deflagra, big up à toi si tu passes par cette vidéo. Et donc, prochain épisode, on devra y aller sur l'île 5 et on verra si on attend de faire plusieurs choses avec. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à partager, etc., etc. Ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, une prochaine vidéo, on verra bien. Allez, à plus tout le monde!